C'est mort, le Barça. Ça fait 5 ans qu'il me dit ça. C'est ça. Comment vous ça, pouvez parler d'une fin de cycle quand vous avez un mec comme Messi dans l'équipe? Ça se renouvelle à chaque fois, comme quand à l'époque, il y avait Ronaldinho et tout. Moi, je suis moins fan du président, tu vois. Je trouve qu'il fait de la merde. Ah, c'est pas un club comme Paris qui a acheté des joueurs d'un coup, qui ont lâché des millions. C'est eux qui les font, les grands joueurs. Non, mais attendez, du recrutement de merde, des sous jetés par les fenêtres. Oh, André Gomez, Arda Turan. Mais ça, ça reste président. Non, mais ça va, il connaît un peu le foot, non? En ce moment, on va dire, ils sont pas au top. Je m'inquiète plus pour l'OM que pour Barcelone. Toi, cette année, je sais pas s'ils vont faire une meilleure saison que nous. Je sais pas, mais c'est un pressentiment que j'ai. Dembélé, c'est fort. C'est très très fort. Moi, je pense que ça remplace vraiment bien Neymar. Donc, c'est-à-dire que le meilleur joueur du monde, tu l'enlèves et tu prends un jeune de 19 ans, tu te dis, lui, il a 5 ans, c'est le meilleur joueur du monde. Non, ça marche pas comme ça. Ils s'en foutent, ils ont toujours fait ça. C'est que des minots, c'est des enfants. Quand tu joues autour de Messi, je pense que le premier connard venu, c'est pas mauvais quoi. Ils prennent des mecs qui savent qu'ils vont s'intégrer au système. À terme, il le fera oublier Neymar. Ça va, c'est un phénomène le gars. Ah ouais, il fera oublier Neymar. La remontada, Neymar il a fait tout le travail, on parlait que de Messi. Tu viens de le dire, Neymar il a fait tout le travail. Oui. Voilà, c'est tout. Messi c'est leur lésienne de Barcelone. Ils vont t'en sortir un autre. Il n'y a plus Mascherano, Iniesta il est vieillissant, ils perdent Neymar, bien sûr que t'es la fin des cycles. Devant, tu as Luis Suarez, Messi et Dembélé. Il a 50 ans, Iniesta. Dites-moi une équipe qui a mieux au monde. Mais quand t'as sa facilité technique, tu peux jouer jusqu'à 160 ans, il n'y a pas de problème. Comme Maxime Lopez, un peu, tu vois l'OM. On en parle depuis longtemps. Je m'engage pas là déjà. Prenez le fric dépensé par le Real et les joueurs qui sont venus. Et vous avez l'équivalent chez le Barça, je crois que c'est 3 fois plus cher pour des gueules. C'est normal qu'ils soient devant, ils sont 1000 fois plus forts. Là, tu es en train de me dire quoi là? Que cette année, Barcelone, ils vont descendre en D2? Non. Pas gagner la Ligue des Champions pour un club comme le Barça, frérot, c'est pas des bons résultats. Ouais, mais pour... Deuxième, c'est un échec. Mais pour moi, ils seront toujours devant. Si Messi s'en va, il y aura un après Messi, ça c'est sûr. C'est la fin du cycle du président parce qu'il en a marre. Oui. Parce qu'ils ont voulu choper Verratti. Ils sont pas arrivés. Quand tu te fais enfler par le PSG, les gars, ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que c'est terminé pour toi.